Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter ce matin, je veux chanter en ce jour que tu as fait, un chant de gratitude pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci, 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 merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je veux chanter. Ma vigueur, ma vitalité, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es pour moi, pour mon histoire, pour ma destinée. Je veux ce matin, Père, je veux chanter. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Qu'un message soit envoyé de mon cœur vers le Dieu de mon salut. Je veux dire merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureux. Reconnaissant. Tu m'as donné le nom. Je ne parle pas du nom de Castano. Je suis heureux. Tu m'as donné un nom nouveau, Christ sur terre. Je suis heureux. Tu m'as donné, acheté de Dieu. Sacrificateur, ambassadeur de Christ, je suis heureux. Tu m'as donné un nom nouveau, racheté de Dieu, sanctifié, réconcilié, glorifié, je suis. Yeah.
à part. Tu m'as sanctifié bien avant la fondation du monde. Je suis heureux. Tu m'as connu d'avance. Tu m'as prédestiné. Tu m'as appelé. Tu m'as donné le don de la repentance. Tu m'as régénéré. Recréé. Je suis. Je suis. Je suis. Je ne veux pas être ailleurs que Christ. Christ est une adresse. Christ est une domiciliation divine. Christ est un positionnement. Christ est un emplacement stratégique. Si quelqu'un est en Christ, oh, il est une nouvelle création. Je suis heureux. Je suis heureux. On m'appelle plus, non, 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 on m'appelle Christ désormais. Un nom nouveau. Il est plus grand que mon nom. Il est plus grand que le nom de mon père. Il est plus grand que le nom d'un chef d'État. Il est plus grand que le nom du plus grand chef d'État de la planète. C'est le nom royal, une famille royale. Oh, je ne veux pas, je ne veux pas. Par le sceau du Saint-Esprit, propriété divine, temple du Saint-Esprit, je suis heureux. Le palais de Dieu, l'adresse de Dieu sur la terre, l'extension de Christ sur la terre. Jésus est parti, mais Christ est resté, il opère. Oh, je suis heureux. Je suis de la même race que toi. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas, non, non, non. Non, 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 non. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis heureux. Tu m'as donné, tu m'as donné le nom de ceux qui ne mourront plus jamais. Il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La race de ceux qui ne connaîtront plus jamais la mort. J'appartiens à cette race, à cette famille divine. Je suis, je suis, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras. Je ne veux pas être ailleurs si ce n'est que dans tes bras. Je veux demeurer enraciné, attaché, blotti. Non, pas ailleurs. C'est là que tu guéris. C'est là que tu guéris les cœurs brisés. C'est là que tu soulages les affligés. C'est là que tu consoles. Que tu relèves. Que tu restaures. Que tu renouvelles. C'est à cet endroit, blotti contre toi, que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. C'est là que les choses se passent. C'est là qu'il y a des miracles. C'est là qu'il y a des transformations. Pas dans la religion, pas dans l'église, non. Pas dans les quatre murs, mais dans tes bras. Pas dans les bras des pasteurs. Non, non, non. Mais dans tes bras, dans tes bras. C'est là que je veux demeurer. Je désire être rassasié. Je désire me blottir. Je veux demeurer, je veux résider, je veux demeurer en permanence. Nulle part ailleurs, si ce n'est, si ce n'est que moi et ma postérité. Moi,
et tout ce que tu m'as confié, que ton Église demeure, se conforte, se fortifie dans tes bras et s'exerce et soit renouvelé, soit restauré, régénéré. C'est là que les choses se passent, que le miracle a lieu, que les jougs sont détruits, fardeaux ôtés, maladies chassées, corps guéri dans tes bras, 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 dans tes bras. Ne me laisse pas être ailleurs si ce n'est dans tes bras. Pas dans la religion, non, la religion ne m'a jamais changé hier. Non, je veux tes bras, je veux tes bras. Comme Jean qui s'est appuyé sur ton épaule dans tes bras. Comme Marie qui a choisi l'essentiel, la bonne part. C'est là que je veux, que je désire demeurer dans tes bras. Que moi et ma postérité, permet que ton Église, chaque membre de ce corps, par Internet, à Paris Nord, en Guadeloupe, à Pointe-Noire et partout tu nous étendras, que chacun d'entre nous, ô Père, demeure dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Tout près, tout près, tout près de toi, tout près de contre ton cœur. Oh, tout près, tout près, tout près de toi, tout près, tout près, contre ton cœur. Tout près, tout près, tout près, tout près de toi, attaché, contre ton cœur, prisonnier de Christ, affermi. Amoureux de Christ, attaché, lié par l'Esprit, demeurant, enraciné, tout près, 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 que je puisse entendre les battements de ton cœur. Imprime, tout près, tout près, collé, attaché, collé, enivré, tout près, colonie. Non, pas ailleurs, tout près. Nulle part ailleurs, si ce n'est tout près, tout près, tout près, tout près. Et l'on est influencé tout près de toi, contrôlé, contre ton cœur, dominé.
formé, embrasé tout près de toi, passionné, saturé tout près de toi, tout près, tout près, du sommet de la terre à la plante des pieds. Tout près, 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 je veux entendre ton cœur battre, entendre ce que tu dis, recevoir le témoignage du Saint-Esprit. Pour cela, il faut être tout près, ressentir l'étreinte de ton amour, entendre ce qui t'occupe, recevoir tes priorités, attache-nous, connecte-nous, bombarde-nous, enivre-nous tout près de toi, tout près, tout près. Contre dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, fais-nous demeurer, fais-nous résider, fais-nous nous asseoir, fais-nous contempler ta splendeur dans tes bras. Restaure-nous, renouvelle-nous et enseigne-nous. Dans tes bras, 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 dans tes bras. Fais-nous demeurer, fais-nous nous asseoir, fais-nous résider. Enracine-nous, affermis-nous, fortifie-nous, vivifie-nous. Faites en œuvre en nous, faites en œuvre par nous, nous te supplions. Tu es bienvenu, tu es désiré, tu es bien-aimé. Tu es recherché, tu es adoré. Tu es contemplé, tu es respecté, tu es révéré, tu es célébré, tu es bienvenu, tu es accueilli, Esprit de Christ. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs, fais infiniment. Abondamment, au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons, et la première place soit notre priorité. Nous te supplions. Dans tes bras, dans le plus beau des noms, le plus précieux des noms, dans tes bras. Dans le nom de Jésus, notre frère aîné, le premier-né, nous t'accueillons, nous t'acclamons, tu es le bienvenu dans tes bras. Aujourd'hui, cette semaine, au Père, nous demeurons dans tes bras. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça, dans ses bras d'amour. Oh, nous voulons demeurer, résider dans tes bras. Dans tes bras.
Bienvenue, Esprit du Seigneur. Merci d'avoir attiré nos pas. La Bible dit que les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Merci d'avoir conduit nos pas dans un campus, un parc centre chrétien, et de nous faire partie de cette famille rassemblée tous les dimanches par Internet, ces milliers de personnes. Nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas le réveil, ce n'est pas le hasard qui nous a levés de notre lit. C'est la bonté et c'est la fidélité. Ce sont les compassions de Dieu qui nous ont tirés de notre lit. Et nous refusons d'être amnésiques et de nous souvenir que tout est grâce. Nous refusons d'oublier que tout est grâce. Nous voulons nous souvenir que tout n'est effectivement que grâce. Nous sommes ce que nous sommes. Nous faisons ce que nous faisons uniquement par ta grâce. Béni sois-tu pour ce moment, pour cette journée. Ce n'est pas un dimanche de plus. C'est le dimanche que le Seigneur a fait. Il ne ressemble à aucun autre, tout comme aucun arbre ne ressemble à aucun autre arbre, tout comme aucun être humain ne ressemble à aucun être humain. C'est le jour que tu as fait. Et nous te célébrons. Une personne a distingué, elle a compris, voilà pourquoi elle a décidé de t'acclamer. À Paris Nord, à Paris Sud-Est, à Pointe-Noire, sur Internet, dans son salon, une personne a décidé d'acclamer. C'est une manière d'exprimer notre allégeance et notre reconnaissance. C'est une manière de dire combien nous sommes reconnaissants. Rien n'est acquis dans la vie, non. Tout n'est que le résultat de la grâce et de la bonté de notre Dieu. Nous te célébrons, Jésus le Christ, notre roi. Nous accueillons ta présence représentée ici par le gouverneur général du royaume des cieux en la personne du Saint-Esprit. Tu es le bienvenu dans ce lieu. Magnifique présence du Dieu vivant. Oh, tu es célébré, tu es bien-aimé, tu es exalté, tu es acclamé. Magnifique présence de Dieu. Tu es la personne la plus puissante et la plus importante sur la terre. Non, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit sur la terre. Il est le gouvernement de Dieu. Oh, nous te célébrons. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Sais-tu que le gouvernement de Dieu est là, avec toute l'escorte, des myriades et des myriades d'anges au garde à vous, en train de louer et d'adorer avec nous, et se tenant au garde à vous lorsque le roi de gloire fait son entrée. Nous sommes honorés d'être dans cette présence. Dans ce genre de présence, il n'y a rien qui puisse résister, car sa présence est comme un feu dévorant. Nul ne peut résister devant sa face. Aucun démon de l'enfer, aucun plan satanique conçu pour nous étouffer, égorger, détruire ou nous séduire n'aboutira dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est dans la place et que tes desseins s'accomplissent, que ton gouvernement soit établi et que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus. Oui, nous te célébrons, nous t'acclamons. Y a-t-il plus d'une personne pour acclamer? Oh, celui qui m'a donné deux mains, celui qui m'a donné la capacité d'acclamer. Béni soit le nom du Seigneur, Jésus le Christ. Tu es célébré, tu es bien aimé, tu es adoré.
Tu es magnifié, magnifique, en sainteté, très digne de louange, opérant des prodiges. Béni sois-tu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, c'est comme ça tous les dimanches. Bienvenue dans cette demeure ordinaire où Dieu transforme des gens ordinaires comme toi et moi en champions et en championnes de Dieu. Bienvenue à notre famille à Paris Nord, bienvenue à vous qui êtes avec nous sur Internet, en communion. Bienvenue à chacun et chacune, pouvez-vous encore avec moi acclamer le Seigneur. Alléluia. Bienvenue à la Guadeloupe, bienvenue à Pointe-Noire. Nous tous qui sommes là debout avons de l'admiration pour toi qui restes assis, sauf si tu as une bonne raison, il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils sont souffrants dans leur corps. Mais certains ne sont pas souffrants, mais ils osent rester assis quand toi et moi nous sommes debout pour acclamer. Et demain ils diront, pourquoi lui? Pourquoi elle? Makataya Masaya. Si tu savais d'où il m'a pris, si tu savais ce que j'étais hier, tu comprendras pourquoi je refuse d'être amnésique, mais tu comprendrais pourquoi je me lève pour acclamer. Oh! Si on continue là, on va pas entrer dans le message. Nous te remercions. Merci pour ta présence. Merci parce que tu prends plaisir à l'adoration et à la louange de ton peuple. Laissez-moi vous dire que la partie du culte que Dieu aime le plus, c'est la louange et l'adoration. C'est comme ça qu'on l'honore par notre attitude, par le fait d'être debout, de manifester de la ferveur, de l'enthousiasme dans sa présence. Ils se sont honorés. C'est une marque de respect. Tu es le bienvenu. Encore au nom de Jésus. Amen. Vous allez vous asseoir dans sa présence. Peux-tu dire à quelqu'un quelle grâce pour toi d'être assis à côté de moi? Waouh! Hein, il n'a pas dit waouh. Je n'ai pas entendu waouh. Alors, tu lui dis, lui, même s'il n'a pas vu te parler, tu lui dis quelle grâce pour toi. Je ne sais pas si tu réalises le privilège que tu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. J'ai deux annonces importantes. La première, celle qui a été dite tout à l'heure. Je le redis encore. Quand j'étais petit, quand nous étions enfants, lorsque les parents recevaient des gens, ils nous demandaient toujours de rester à la maison pour recevoir les gens qu'on recevait. Recevoir les gens qu'on recevait. Et c'est une marque de respect. Et ce samedi, le samedi prochain, c'est le 20e anniversaire de la CEAF et c'est nous, famille Impact Centre Chrétien, qui recevons les différentes églises de la CEAF ici. Et donc, c'est une marque de respect et surtout un témoignage de reconnaissance que nous voulons exprimer, surtout au président de la CEAF. Vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, mais si le président de la CEAF, vous savez, Dieu nous rend visite par les gens. Dis Amen. Si le président de la CEAF n'avait pas été l'instrument utilisé par Dieu, ICC ne serait pas ici. Il s'est battu. C'est son église, mais il s'est battu comme pas possible pour qu'on puisse déménager ici. Parce que beaucoup n'ont pas idée de l'intensité, du nombre de combats et d'adversités qu'il a fallu affronter pour pouvoir emménager ici à Boissy-Saint-Léger. Et même ce n'est pas fini. Mais bon, on a compris qu'avec la marche avec Dieu, vous savez, la marche avec Dieu n'est jamais totalement. Attendez, tu as l'impression que Dieu te garde, mais tu as l'impression qu'il y a toujours des dangers imminents qui te guettent. Mais c'est aussi permis par Dieu pour te garder humble et toujours vigilant. Quelqu'un me dit Amen. Donc, le samedi prochain, à 14h30, nous sommes là, nous sommes ici à Boissy-Saint-Léger,
pour les 20 ans de la CEAF, pour un culte concert spécial. Et nous voulons vraiment, je vous supplie, avec le pasteur Yves, le pasteur Jacques, nous sommes vraiment tellement en phase là-dessus. Nous voulons vraiment honorer le président de la CEAF. Il y aura les autorités, il y aura différentes autorités protestantes françaises. Mais nous voulons surtout nous honorer notre président par lequel Dieu est passé pour nous amener ici où nous sommes. Et donc s'il vient et qu'il nous voit au rendez-vous, il sera honoré parce qu'il se sentira considéré et aussi encouragé dans la tâche immense qui est la sienne de conduire cette organisation à laquelle nous appartenons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc nous comptons sur vous, nous comptons sur chacun d'entre nous. L'autre bonne nouvelle que je vous annonce, qui a déjà été annoncée, c'est que Impact Centre Chrétien ouvre à Bruxelles. Tu as le droit d'acclamer le Seigneur pour ça. Et c'est une excellente nouvelle, pas seulement pour nous, mais pour le royaume de Dieu. Parce que la Belgique n'a pas encore été gagnée à Christ, que je sache. Donc une église de plus, une ambassade de plus ne sera jamais de trop. Quelqu'un me dit amen. Voilà, et nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Nous allons y tenir un séminaire d'inauguration. Je crois que c'est dans 2 semaines. Et je vous demande vraiment de passer l'information à vos proches. Beaucoup de gens ne vont plus dans les églises parce qu'ils sont fatigués. Et aussi parce que des fois, quand ils vont dans les églises, on leur offre un package appelé religion qui ne nous intéresse pas du tout. Les gens veulent la réalité de la vie de Dieu. Les gens ne veulent pas la religion. Les gens veulent Dieu. Et c'est ce que nous voulons leur apporter. La réalité du royaume de Dieu étendue là-bas également. Et nous bénissons Dieu pour le travail qu'Impact Centre Chrétien est en train de faire. J'ai reçu un appel hier d'une personne qui venait de rentrer du Congo et qui m'a dit, mais vous êtes en train de faire un tsunami à Pointe-Noire là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mais c'est un raz de marée. Les pasteurs ne parlent que de vous. On dit que depuis que vous êtes venus, c'est compliqué. Les standards sont trop élevés. Tout le monde est dépassé. J'ai dit, mais gloire à Dieu, ça veut dire qu'il fallait élever. Il était temps que nous élevions les standards de crédibilité, d'intégrité, d'excellence, de passion pour Dieu, d'adoration. Et que nous obligeons tout le monde aussi à élever les standards. Ainsi, le corps de Christ se meut vers l'avant. Quelqu'un me dit amen. Voilà. Et pour cela aussi, je voulais aussi... J'ai oublié de le faire au premier culte, mais je voulais aussi lancer un défi pour chacun d'entre nous. Parce que prendre la salle que nous allons prendre à Bruxelles nous requiert 15 000 euros pour les 3 mois de loyer, également les frais d'agence. Et généralement, quand on va quelque part, nous ne voulons pas être un fardeau qui met la pression là où on va. Nous préférons enfanter nous-mêmes. Il faut se sacrifier toujours. Le prix d'une vie, c'est une vie. Et donc, si quelqu'un a envie, je sais qu'il y a plus d'une personne qui aura envie, 15 000 euros, je sais que c'est faisable, c'est toujours faisable. Tout est possible. Et 150 personnes avec 100 euros ou 300 personnes avec 50 euros, on aura booké les 15 000 euros. Mais si vous le faites par chèque, faites-le à l'attention de ICCE. S'il vous plaît, pas de ICC, mais de ICCE, afin que nous puissions apporter notre contribution pour aider à l'implantation du campus de Bruxelles. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Voilà, nous bénissons Dieu de ce que nous nous déployons à gauche, nous déployons à droite et progressivement le royaume. Vraiment, un séminaire à Kinshasa, parce que là-bas aussi, nous passons à la télévision, sur 2 chaînes de télévision. Et on a plein d'emails de gens qui disent merci. Le pasteur Yves me disait qu'il y a même des directeurs de banque qui lui envoient des SMS pour lui dire merci pour le message que tu as prêché, parce qu'il pense que c'est lui. D'ailleurs, il est là, le pasteur Yves, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il pense que c'est lui. Donc, je dis, mais dis-leur que c'est moi et que je vais venir les voir pour justement poser un dossier auprès de la banque. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur quand même pour ce qu'il fait? À partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans une série d'enseignements qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois même, une série d'enseignements que Dieu m'a mis à cœur et qui va être après l'ordre divin, qui va être la trajectoire que nous allons prendre dans les prochains mois, intitulée « Les lois du royaume ». Aujourd'hui, je vais juste vous donner la préface. Aujourd'hui, ça va être une piqûre de rappel de choses que vous connaissez déjà, mais généralement, je ne dis pas des choses que vous connaissez déjà, je dis ce que j'ai entendu. Tu as raté une bonne occasion pour dire « Amen ». Et donc, nous allons aujourd'hui juste faire la préface. C'est juste, même pas une introduction, c'est juste la préface sur les lois du royaume. Et le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu est plus déterminé et plus engagé dans ta réussite que toi-même ». Autrement dit, en d'autres termes, je dirais que Dieu a envie que tu réussisses plus que toi-même tu n'as envie de réussir. Voilà. Quelqu'un me dit « Amen ». Et en introduction, je vous parlerai, étant donné que les choses naturelles nous permettent de comprendre les choses spirituelles, je vous parlerai d'abord en introduction de ce message de 5 principes inhérents associés à la relation, liés à la relation entre un fabricant et son produit ou entre un créateur et sa création.
Le premier principe que je voudrais, sur lequel je voudrais que nous nous mettions d'accord, c'est qu'à la base, de manière naturelle, on ne parle pas du spirituel, on parlera du spirituel après. De manière naturelle, tout créateur ou tout fabricant désire la réussite de sa création ou de son produit, surtout lorsque ce produit porte son image ou encore sa marque. Tout fabricant ou créateur désire toujours la réussite de sa création ou de son produit, surtout lorsque ce produit revêt son image. L'image, c'est la marque, c'est le logo, c'est l'empreinte. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la réalité, c'est que toutes les créations ne portent pas forcément la marque de leur créateur. Tous les vêtements qui sont produits en Chine ne portent pas forcément la marque du fabricant chinois. Certains portent des... Je ne donnerai pas de marque pour ne pas te vexer, parce que toi, tu veux te dire, moi, je l'ai... C'est fabriqué en France, c'est comme tu veux. Mais il y a ce qu'on appelle des marques blanches. Ça veut dire qu'il y a des fabricants qui fabriquent, mais en fait, ils ne mettent pas leur image, logo, empreinte dessus, et ils laissent à d'autres le soin de le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais lorsque un créateur met sa marque sur sa création, alors il a intérêt à ce que sa création réussisse et aboutisse, parce que tout de suite, immédiatement, sa responsabilité personnelle est engagée. Et il veut que son produit réussisse, pas pour son produit, mais pour sa propre réputation. Parce qu'un produit qui réussit, qui fonctionne parfaitement, c'est bon pour la réputation de son fabricant ou de son créateur. Par contre, l'échec d'un produit est toujours embarrassant pour son créateur. Ah, c'est le principe numéro un. Le principe numéro deux, concernant la relation créateur-création-fabricant-produit. Le principe numéro 2, c'est que tout créateur s'arrange, organise, planifie, et il s'arrange pour favoriser la réussite de ce produit, surtout lorsque ce produit revêt son image ou sa marque. Tous les créateurs s'arrangent, ils organisent, ils planifient la réussite de leur création. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment le font-ils? Ils le font de manière simple. Ils le font en s'assurant que le produit qu'ils ont créé puisse fonctionner selon des lois. Parce que si un produit ne fonctionne pas selon des règles, selon des normes, selon des principes, si un produit ne fonctionne pas selon des principes établis, il n'est pas garanti qu'il fonctionnera de manière permanente. Alors, tout fabricant s'assure que son produit, ce qu'il a créé, puisse fonctionner selon des lois. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous le reconnaissez dans tout. Ce micro, ce pupitre, ce bloc de cahier, les habits, les vêtements, les voitures, tout fonctionne selon des lois, selon des principes ou encore selon des règles, selon des normes. Vous achetez des fois un appareil électroménager et il y a toujours des principes, des normes. Il y a un guide d'utilisation, il y a même des limitations à ne pas franchir en termes de capacité ou en termes de puissance électrique. Il y a toujours des principes qui accompagnent n'importe quel produit. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quand j'ai dit à ça, je me souviens d'un pays, quelque part, où je suis allé acheter... C'était quoi? Avec mon épouse, on est parti acheter, je ne nommerai pas le pays, on est parti acheter un appareil. On demande la garantie, on nous dit on ne garantit pas les appareils ici. Et ils ne te donnent même pas une journée de garantie. C'est la première fois que je voyais on ne garantit pas un produit. Pourquoi? Parce que si tu garantis les conditions, on dit que l'appareil est censé ne pas dépasser 240 volts. Mais il y a des pays où quand on coupe le courant et qu'on renvoie le courant, on renvoie à 320. Donc tous les appareils sautent. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Mon point est que tout créateur ou fabricant planifie personnellement la réussite de son produit. Comment il le fait? Il s'assure que son produit fonctionne selon des lois. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou encore, quand je dis loi, je parle de règles, je parle de principes, j'utilise des synonymes pour décrire le même concept. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tout
est régi par des lois. L'oiseau qui vole ne vole pas par hasard. L'oiseau vole parce qu'il respecte des lois. Le soleil qui se lève, la terre qui tourne, le corps qui respire l'oxygène, les plantes qui mûrissent, les nuages qui se forment, l'avion qui vole, la voiture qui roule, même l'homme qui est cloué, même l'homme qui est là au sol. Tout est régi par des lois. Est-ce que tu sais que l'avion ne vole pas parce qu'il y a un pilote dans l'avion? Non. L'avion ne vole pas parce qu'il y a un pilote. L'avion vole parce que il respecte une certaine vitesse de croisière. Si les moteurs sautent, si le moteur cale et s'arrête, même s'il y a un pilote, l'avion va couler. Je t'expliquerai ce que je suis en train de là, c'est juste la préface. Je t'expliquerai comment fonctionne, que tout est régi par des lois. Le fait que tu sois là où tu es assis, c'est parce que c'est une loi qui te contrôle. On l'appelle la loi de la pesanteur. C'est à cause de la loi de la pesanteur, de la gravitation, que nous sommes là assis. Si la loi de la gravitation n'était pas là, nous serions tous en train de flotter dans l'atmosphère. Donc nous sommes là assis parce que la loi de la pesanteur nous fait rester. En fait, je me suis rendu compte que même le pilote d'avion, il ne conduit pas, il navigue. Mais en fait, ce n'est pas lui qui conduit l'avion. C'est la loi de l'aérodynamique. Tant qu'il respecte une certaine vitesse de croisière, c'est pas lui qui compte. C'est la loi de l'aérodynamique qui porte l'avion. Le pilote ne fait que tourner. Et même des fois, il se met en mode automatique, il s'endort. Laisse tomber, on va développer plus tard. Dis-moi, amen. Ok. Principe numéro 3. Nous sommes d'abord dans les principes naturels. Tout fabricant intègre à l'intérieur de son produit les lois et les principes qui garantissent le bon fonctionnement de son produit. Ça veut dire que non seulement le créateur prévoit que son produit puisse fonctionner selon des lois ou des principes ou des règles, mais en plus ces lois, ces principes, ces règles sont intégrées directement à l'intérieur même de ce produit ou de cette création. Prenez l'exemple de la voiture. La voiture a été créée, mais elle fonctionne selon des lois. Tous les instruments qui sont dans la voiture fonctionnent selon des lois bien établi. Le réservoir et le moteur fonctionnent selon les lois telles que les lois de la thermodynamique et les lois de la chimie. Le fait que la voiture se déplace fait en sorte que le fait que cette voiture se déplace, c'est parce qu'elle respecte les éléments qui sont dans la voiture, respecte les lois de la mécanique et les lois de l'aérodynamique. Le fait que le tableau de bord s'allume respecte les lois de l'électricité. Le fait que le son passe par les haut-parleurs pour venir boum 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 boum, les lois de l'acoustique. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que tout ce que nous voyons, tout ce qui a été créé et respecte à l'intérieur même, contient des lois qui déterminent son fonctionnement. Dis amen. Le quatrième point, j'essaie d'aller vite, c'est que tout créateur, le fabricant d'un produit, tient tellement à la réussite de son produit lorsque ce produit porte son image ou sa marque. Il tient tellement à la réussite de son produit qu'il accompagne toujours la livraison de son produit avec ce qu'on appelle un manuel d'utilisation. Dis-moi amen. Le fabricant d'un produit ne peut pas utiliser le produit à ta place. Mais il veut tellement que tu réussisses. Il veut tellement que tu y arrives. Il veut tellement que tu trouves le bonheur qu'il te donne toujours systématiquement une notice d'utilisation. Il te donne toujours un manuel d'utilisation. Le manuel t'évite l'approximation, le bricolage, le cafouillage. Le manuel t'évite d'endommager le produit qui t'a été donné. Le manuel est la preuve que le fabricant veut que tu réussisses. Puisque je ne peux pas, moi, utiliser le produit à ta place, je t'en supplie. C'est comme si on te donne une interrogation à l'école et on te met en face de toi le livre qui contient toutes les réponses. Parce qu'on ne fera pas les devoirs pour toi. Mais on te dit, tout est là, à disposition. Je ne garde aucun secret, aucun mystère. Je te livre tout. Comment réussir ta vie? Je te le donne dans le manuel. Comment réussir l'utilisation de son produit? Ça veut dire, ça, c'est la preuve concrète, tangible, que vraiment, il veut que tu réussisses. Je suis en train de vous parler des choses naturelles. Dis-moi amen. Et quand tu respectes sa notice d'utilisation, il te garantit la réussite. Il te garantit le bonheur, il te garantit l'épanouissement, il te garantit que tu prendras plaisir. Et il te donne la garantie.
Amen. Donc, en résumé, l'existence d'un produit, toute création, micro, télévision, chaise, tout ce qui est produit fini, l'existence d'un produit ou d'une création implique automatiquement trois choses. S'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur, premièrement. S'il y a une création, c'est qu'il y a des principes ou des lois qui régissent le fonctionnement de ce produit ou de cette création. Dis-moi amen. Et troisièmement, s'il y a une création, c'est qu'il y a une notice d'explication qui décrit comment ça marche. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous avez exposé ces cinq principes, ces quatre principes naturels. Maintenant, je peux arriver au niveau spirituel parce que Dieu est le créateur des créateurs. Dis-moi amen. Si les hommes font ainsi, à combien plus forte raison? Donc, je veux t'emmener à reconnaître quelques points. Le premier point, c'est que Dieu est très impliqué et très engagé dans la réussite de la nouvelle création. Pas de n'importe quelle création. Dieu a deux races humaines. La première race s'appelle Adam, la deuxième race s'appelle Christ. Mais la Bible nous dit que celle qui a l'image de Dieu, l'effigie, la stature de Dieu, la nature de Dieu, c'est la nouvelle création. 2 Corinthiens 4, verset 4 nous dit que Christ est désormais l'image de Dieu. Si Christ est en toi, l'image de Dieu est en toi. Dieu se sent impliqué, concerné par la réussite de la nouvelle création, parce que la nouvelle création porte en elle l'image de Dieu par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a intérêt à ce que tu accomplisses le but initial qu'il a fixé pour toi. Ça veut dire que Dieu a intérêt à ce que tu rayonnes, et il a intérêt à ce que ta vie soit un témoignage, et il a intérêt à ce que tu excelles dans la vie, et ne laisse jamais quelqu'un te faire croire le contraire. Jamais. Je sais que tu le sais. Je te dis ce que j'ai entendu. Je dois te dire. Quelqu'un me dit amen. Dieu ne désire pas ta confusion. Si tu es né de nouveau, pas si tu vas à l'église, si tu as reçu Christ comme Seigneur Sauveur et que tu as accepté sa parole dans ton cœur, Dieu est plus engagé que toi dans ta réussite. Dieu veut te voir y arriver. Pourquoi? Parce que c'est bon et c'est important pour sa réputation. Pas pour toi, pour sa gloire, pour sa crédibilité, pour sa réputation. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu y arrives. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu réussisses. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets. Ce n'est pas des projets de confusion. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il nous a destinés à hériter le salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu veut que tu réussisses. Dieu est à la fois un père pour la nouvelle création, et la foi, et il y reste le Créateur. En tant que Père, il veut ta réussite parce que tu es son enfant, que tu es sorti de lui. Dis amen. En tant que Créateur, il veut ta réussite parce que tu es sa création et que tu portes son image, et que si tu n'y arrives pas, ce n'est pas bon pour sa réputation. Donc Dieu est obligé de s'investir dans ma réussite. Dis-moi amen. La deuxième chose, c'est qu'en parlant de réussite, tu dois comprendre qu'il n'est pas possible de réussir si tu n'es pas d'abord réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire si tu n'es pas d'abord né de nouveau. Il n'est pas possible de réussir. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas possible de connaître le succès. Non, tu peux connaître le succès, mais tu ne peux pas réussir tant que tu n'es pas revenu à Dieu. Tu peux connaître le succès, oui. La race adamique peut connaître le succès, mais jamais d'objectif qu'on s'était fixé. L'accomplissement d'exploits, des performances, dépassement de soi, développement de son potentiel, c'est bien et c'est important pour toutes les créations, qu'on soit Adam ou Christ, c'est bon. Mais le succès ne parle que de ça. Mais la réussite ne parle pas uniquement de faire des exploits. La réussite parle d'accomplir l'intention originelle du fabricant ou du créateur d'un produit. Est-ce que quelqu'un me suit? La réussite, ce n'est pas le succès. La réussite parle de fonctionner exactement
comme le Créateur, celui qui t'a créé, avait prévu. Or, rappelle-toi, lorsqu'on a parlé des 6 questions les plus importantes de l'existence, nous avons résumé, nous avons dit que réussir sa vie, réussir le but pour lequel Dieu t'a fait venir sur la terre, c'est 4 choses. Premièrement, nous avons dit, c'est vivre pour faire la volonté de Dieu. C'est vivre pour révéler, pour le faire connaître, pour faire connaître Christ. Vivre pour faire la volonté de Christ, vivre pour témoigner de Christ, ça veut dire attester de ce que Jésus a dit est vrai. C'est ce qu'on appelle des témoins, des producteurs de preuves, des gens qui manifestent la vie du royaume sur la terre, pas par leurs paroles, mais par leur vie. Ils sont convaincants et ils démontrent que Jésus avait raison. Et nous avons dit le 4e point, réussir le but pour lequel Dieu t'a suscité sur la terre, c'est régner dès maintenant dans cette vie avec Christ. Le but, c'est le règne. Voilà pourquoi le titre d'ailleurs de la série de livres que je suis en train d'écrire s'intitule, c'est la série, c'est né de nouveau pour gouverner de nouveau. Parce que le but, c'est le gouvernement. La nouvelle naissance n'est pas le but. La nouvelle naissance, c'est juste un positionnement indispensable pour commencer à marcher vers le but pour lequel Dieu m'avait créé. Mais le but véritable, c'est régner dès maintenant dans cette vie par Jésus-Christ. Et je déclare que toi et moi, nous manifesterons la vie du règne dans cette vie et dans cette génération. Au nom de Jésus, nous le manifesterons. Nous la manifesterons. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le succès t'attire les félicitations, les congratulations des hommes. Ils disent, ah, c'était formidable. La réussite t'attire les félicitations de Dieu. Il dit, bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, je veux la réussite. Je veux la réussite. Quelqu'un me dit amen. Amen. Troisième point. Puisqu'on a établi les choses naturelles, on établit les choses spirituelles. Dieu veut tellement ta réussite que Dieu a décidé de révéler les mystères du royaume à la nouvelle création, et pas à tout le monde, à la nouvelle création. Dieu a décidé de révéler les mystères, les lois, les principes qui permettent de faire fonctionner le royaume de Dieu. Luc chapitre 8, verset 10, voilà ce que dit le Seigneur. Il dit... La Bible dit, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Il vous a été donné de connaître les mystères, dis avec moi les mystères. Mystère, je le redis pour la énième fois, n'a rien de mystique. Mystère veut dire vérité cachée. Les secrets qui étaient en Dieu. Jésus dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, les vérités cachées concernant le royaume. Comment fonctionne le royaume? Comment œuvrer? Comment opérer dans le royaume? Parce que lorsque vous réalisez, lorsque vous regardez à la vie de Jésus et à la vie des apôtres, vous constatez qu'ils opéraient vraiment à ciel ouvert. L'histoire de Jésus et l'histoire des épîtres, la vie de Paul, c'est une histoire d'intervention permanente, d'irruption permanente du surnaturel de Dieu dans le monde naturel. Quel était le secret de Jésus? C'est simple. Jésus utilisait les clés du royaume. Et les clés du royaume sont des clés qui permettent de faire en sorte que le ciel, le spirituel, s'invite dans le naturel. Mais pas le spirituel seulement, le surnaturel de Dieu s'invite dans la sphère naturelle. Comment il faisait ça? Avec les clés. Il y avait toujours des interférences divines en permanence. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Matthieu 16, verset 19, il dit à Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras, littéralement ce que tu fermeras, ce que tu interdiras, ce que tu bloqueras, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18, verset 18, maintenant il parle à tous les disciples, il leur dit la même chose qu'il avait dit à Pierre, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, je vous donne la possibilité de faire intervenir le ciel sur la terre de manière permanente, avec quoi? Avec des clés du royaume. Et si Jésus dit, je te donnerai les clés, ça veut dire que non seulement lui-même il les avait, mais ça veut dire aussi que c'est avec les clés qu'il a opéré et qu'il a fonctionné. Alors, c'est quoi les clés? Les clés, dis avec moi les clés du royaume. Les clés, naturellement, ouvrent les portes. Donc, les clés du royaume ouvrent les portes du ciel.
Les clés du royaume donnent accès aux ressources célestes, aux ressources spirituelles. Ça veut dire que par les clés, on peut provoquer, par les clés, on fait intervenir le spirituel de Dieu dans le monde naturel. On prend des choses qui sont dans la sphère céleste, on les emmène dans la sphère terrestre. Comment ? Avec les clés. Les clés sont donc des lois. Les clés sont des principes. Les clés sont des leviers qui permettent de faire intervenir les cieux dans les affaires de la terre. Et quand vous étudiez un peu l'histoire des nations, vous vous rendez compte que tous les pays fonctionnent avec des clés. Dans tous les pays, on parle des clés de l'emploi, les clés de l'économie, les clés de la croissance, les clés de la relance. Dis-moi amen. C'est des clés. Dis avec moi les clés du royaume. Les clés sont des systèmes, les clés sont des leviers. Tu sais, avec les clés sont des leviers, c'est-à-dire des lois spirituelles qu'on active et qui font bouger soudainement les choses. Là où tu ne t'es pas attendu, soudainement on te voit arriver. Comment ? Les clés, avec des leviers. Tu vois un levier, tu appuies une manette et puis brusquement, pouf, un pont se soulève. Tu appuies une manette, pouf, quelque chose se passe. C'est ça les clés. Quelqu'un me dit amen. Ah, les clés, c'est la clé. Ouais, c'est ça. Les clés sont des leviers. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais je suis en train de dire ce que j'ai entendu. Donc je dois te dire ce qu'on appelle. Je suis dans la préface. On développera à partir de la semaine prochaine. Amen. Les clés sont des leviers qui permettent de tuer le hasard. Vous savez, quand je donne cet enseignement, je suis excité parce que je reconnais que par la grâce de Dieu, pas que moi, même le pasteur Yves et beaucoup d'entre nous, nous sommes des exemples vivants de gens qui opèrent avec les clés. Donc, c'est le genre de message, je suis qualifié pour t'en parler. J'ai la capacité, la qualification divine pour te parler des clés du royaume. Comment tuer le hasard? Tu lui fais hippon, ou poum, à mon genou, toi doucement, hein, au nom de Jésus. Comment tu fais un croche-patte au hasard et tu lui dis ciao, ciao, bye bye, tu n'influeras plus sur ma vie, tu n'influenceras plus ma vie, le futur. Écoute, si tu comprends les clés du royaume, les lois, les mécanismes, les leviers, le futur est prévisible. Le succès, pas le succès, la réussite est prévisible, les échecs sont prévisibles, tout dépend des clés que tu utilises. On ne choisit pas d'échouer ou de réussir, on choisit de fonctionner avec ou sans la notice. Et il y a une notice pour tout. Il y a une notice pour les relations humaines. Il y a une notice pour la famille. Il y a une notice pour le mariage. Il y a une notice pour l'éducation des enfants. Il y a une notice pour la santé, pour l'esprit, pour l'âme, pour le corps. Il y a une notice pour les finances. Il y a une notice dans tous les domaines. Ma passion, c'est de trouver, de sonder la parole, les écritures, pour trouver la notice. Enfin, pas pour trouver la notice, pour trouver les clés dans la notice d'utilisation. Les clés sont des leviers qui te permettent de tuer le hasard, qui te permettent de prévoir, d'anticiper et de planifier les événements. Je sais ce qui va se passer. Je sais que je ne mourrai pas tout de suite. D'abord, quand je ne mourrai pas, je partirai. Quelqu'un me dit amen. Je sais ce qui va arriver demain. Si tu viens m'offrir une voiture, je ne serai pas surpris. Si tu me donnes 500 000 euros ou 1 million, je ne serai pas surpris. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai provoqué. Ce que je ne maîtrise pas, c'est le facteur temps. Parce que Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Je ne sais juste pas quand. Mais si quelqu'un m'apporte une voiture, je dirais, je l'attendais. Ça fait quand même longtemps que j'attendais ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai appliqué les clés qui me font savoir que je suis qualifié pour recevoir une voiture. Je ne prie pas pour la voiture. Non. Quand tu connais les clés, tu ne pries. Ta liste de sujets de prière est réduite de 99%. Et du coup, ton seul sujet de prière devient le Saint-Esprit. Viens là. Eh, Seigneur, l'argent, ma facture. Eh, Jésus, ma facture, je veux pas le mon loyer. Le loyer, Seigneur, le loyer. L'huissier, Jésus, l'huissier. Dieu te regarde. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut demander, Seigneur, quelle est la clé qui permet de débloquer ça et de faire fuir l'huissier? Je vous dis, quand tu connais les clés, tes prières tournent autour de la passion, la contemplation, la consécration, la circoncision, parce que tu ne demandes plus les choses. Tu ne demandes plus les choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on enseigne les clés.
Donne-moi le mari. On ne prie pas pour le mari. On ne demande pas la femme. On ne demande pas. On ne demande pas. Il y a des clés. On attire les choses. Parce que c'est une clé. On appelle la loi de l'attraction. On attire. On nettoie l'intérieur, l'extérieur vient. Et quand il y a des gens bizarres qui viennent à l'extérieur, on ne dit pas pourquoi. Non, on nettoie d'abord là, là. Les clés te feront gagner du temps. Les lois, quand les leviers te font gagner du temps et elles te font cesser de manipuler les gens. Et tu cesses de manipuler Dieu. Enfin, tu peux pas manipuler, tu essayes. Mais tu penses qu'on peut manipuler Dieu? Tu sais, non, tu sais, tu sais ce que tu as à faire. Mais quand tu ne connais pas les lois, je parle des lois spirituelles. Le royaume est un état, c'est une juridiction. Je vous démontrerai la semaine prochaine que tous les états se caractérisent par des lois et que la loi est la première force la plus importante dans un pays. Mais si on ne connaît pas les lois, on est dans le royaume, mais on est tout le temps hors la loi. On dit Seigneur, aie pitié, mais ce n'est pas pitié, c'est que tu es hors la loi. Et les clés, ce sont des lois. Derrière tout ce que les hommes appellent miracle, prodige, signe, il y a toujours un élément déclencheur. C'est-à-dire, il y a une clé, il y a une loi, il y a un principe qui a été respecté, appliqué et obéi et qui a forcé une ingérence, une intrusion du surnaturel de Dieu dans le monde naturel. Il n'y a pas de hasard. Ta vie ne change pas parce que tu pries. Ta vie opère, change parce que tu opères avec les clés. Comme Jésus a opéré. Quelqu'un me dit Amen. Et Jésus, c'est le point numéro 4, nous a donné les clés. Il n'a pas donné les clés à tout le monde. Il a donné les clés aux disciples. Mais il a donné les clés, mais il faut les trouver. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il te donne, mais tu dois trouver. Proverbe 25, j'ai bientôt fini. Je vais finir tôt aujourd'hui. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, la gloire des rois, pardon, c'est de sonder les choses. Et tout, comme n'importe quel fabricant, met les principes, les règles, les lois qui régissent le fonctionnement de son produit dans la notice. Dieu a tout mis dans la Bible. Le problème, c'est que ça peut être dans la Bible et toi, tu passes devant tous les jours, tu ne le vois pas. Parce que Dieu cache les choses même dans sa parole. Il faut les sonder par le Saint-Esprit pour voir les richesses qui sont enfouies à l'intérieur. Quand tu y penses, tu te rends compte que même dans le domaine naturel, Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, n'a rien créé de plus. La loi de l'aérodynamisme, de l'aérodynamique, était là depuis longtemps, mais il n'y avait pas d'avion qui volait. La loi de l'électricité existait déjà depuis Noé, depuis Moïse. Tout existait déjà. Dieu n'a rien créé de plus sur la terre. C'est juste qu'il y a des hommes qui sont venus sur la terre, qui ont commencé à sonder les choses naturelles et ils ont découvert des lois naturelles. Et quand ils ont commencé à mettre ensemble des éléments, ils ont vu que ça fonctionnait. Mais tout était là déjà. Et quand dans le monde, les gens sondent les mystères naturels et qu'ils les trouvent, et qu'ils les expliquent, et qu'ils servent leur génération avec ça, le monde les appelle des inventeurs ou encore des génies. Mais ceux qui sondent, qui découvrent les vérités, les mystères, les vérités secrètes du royaume, la Bible les appelle des rois. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Pourquoi la Bible les appelle des rois? La réponse qui est venue dans mon esprit, c'est que c'est simplement parce que ceux qui découvrent les lois spirituelles du royaume et qui les mettent en pratique, obligatoirement, ils règnent dans leur génération. Ils règnent dans leur vie. Et je prie que ce soit le témoignage que l'on dira à ton sujet et à mon sujet. Il a manifesté le règne dès maintenant dans cette vie par l'abondance de la grâce et le don de la justice. C'est la série que nous allons étudier dès maintenant. C'est la série que nous allons étudier à la conférence en juillet. Ça va être le thème de la conférence, les lois du royaume. C'est la série qu'on va continuer. C'est tellement vaste, je ne sais même pas de quoi je vais parler. Mais je sais que chaque semaine, il nous instruira. Et il m'a parlé, il m'a montré ça, il m'a montré. Je vous ai parlé la semaine d'avant des 4 priorités de la nouvelle création. Pardon, des 4 défis de la nouvelle création. Il m'a parlé des 2 priorités uniques
et essentielle et exclusive de la nouvelle création. Quand tu vas comprendre ça, ta liste de prières va changer. Tu vas enlever tous tes sujets-là. Mariage, voiture, maison, travail. Tu vas tout enlever. Parce que tu sauras qu'avec les clés, tu peux contrôler les événements et obliger le surnaturel de Dieu à interférer dans le naturel, à provoquer les événements. Je déclare et je décrète que là où on ne t'attendait pas, on te verra arriver. Là où tu n'étais pas établi, on te verra t'établir. Dieu effectuera des parachutages divins au milieu de gens qui ne t'attendent pas. Ils se disent, mais pourquoi tu es là? Comment a-t-il fait pour être là? Excusez-moi, j'ai atterri par parachute divin. On le dira à ton sujet, on le dira à mon sujet. Je déclare cette parole, elle s'accomplira. Incline la tête avec moi, Seigneur, tout ce que nous te demandons, c'est instruis-nous. Tout ce que nous te demandons, c'est enseigne-nous. Bon, tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, nous te supplions, tu ne nous as pas destinés à la destruction. Tu ne nous as pas destinés à la confusion. Tu ne nous as pas destinés à la catastrophe. Tu ne nous as pas destinés à la terreur. Tu nous as destinés à hériter le salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors délivre-nous de l'ignorance. Combien d'entre nous souffrons, pas parce que c'est la volonté de Dieu, pas parce que ce sont des épreuves permises par Dieu, mais uniquement, essentiellement, parce que nous n'avons pas la connaissance des lois du royaume qui permettent de faire agir, d'inviter, de faire entrer le surnaturel de Dieu dans le monde naturel. Seigneur, aie compassion de nous. Aide-nous, nous te supplions. Incline la tête avec moi et dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Je veux comprendre que ma vie change. Dieu te donne les clés ou les lois ou les principes du royaume parce que Dieu veut que tu réussisses. Le fait qu'il les mette et qu'il les compile dans la notice d'utilisation de la nouvelle création, appelée la Bible, le fait qu'il les compile à l'intérieur prouve, si besoin était, qu'il veut vraiment que tu réussisses. Tout ce qu'il te demande, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois le creuser dedans, sonder, méditer. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que Dieu a institué, a été programmé pour fonctionner selon les lois du royaume. Relations, famille, éducation des enfants, santé, santé spirituelle, santé émotionnelle, santé physique, finances, tous les domaines, prière, tout est programmé pour fonctionner selon les lois. Seigneur, enseigne-nous ces choses. Enseigne-nous ces choses. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de moi. Do dièse. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire. Seigneur, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle orientation que nous prenons. Une nouvelle direction. En 2010, Dieu m'a dit, ordre divin. Maintenant, le Seigneur m'a dit, loi spirituelle du royaume. Je veux vous emmener à opérer comme j'ai opéré. Parce que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il y a une profondeur extraordinaire, une révélation extraordinaire à saisir dans cette parole de Dieu. La nouvelle création a été appelée à opérer comme Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je t'en supplie. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, oh Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Certaines choses j'ai déjà entendues. D'autres je n'aurais pas encore entendues. Mais je t'en supplie. Pour cette nouvelle page, cette nouvelle saison, cette nouvelle orientation, ouvre les yeux. Adam a été détruit à cause du manque de connaissances.
ne me laisse pas être détruit à cause du manque de connaissance. Adam a été détruit parce que Satan lui a fait croire qu'il était possible d'être indépendant de Dieu. Satan a réussi à lui faire croire qu'il pouvait se séparer de Dieu sans conséquence aucune. Satan a réussi à lui faire croire des mensonges et il a accepté. Arrêtez ça. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Je demande à être enseigné. Sors-moi de l'ignorance. Sors-moi de la destruction de l'ignorance. Tu dis, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Sors-moi de l'ignorance. Au-delà des prophéties, au-delà des paroles que j'ai entendues, à certaines personnes, on a dit, Dieu fera de toi quelqu'un de grand. Mais laisse-moi te dire, si tu ne connais pas les lois spirituelles du royaume, tu ne le verras pas se manifester. Ce n'est pas parce qu'une prophétie a été donnée qu'elle s'accomplira. Est-ce que tu sais naviguer, opérer avec? Est-ce que tu sais te laisser conduire, propulser par les lois? Est-ce que tu sais te laisser contrôler par les lois? C'est la clé, c'est la clé. Enseigne-nous ces choses. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux. Je désire. Je désire. Et je déclare que je te verrai. Je verrai m'éclater ta gloire. Je verrai la réussite de tes desseins, la réussite de tes projets à travers moi, la réussite dans cette génération, la réussite selon Dieu, Seigneur, nous le verrons se manifester. Je déclare et je décrète qu'aucun de nous n'échouera. Je déclare que nous y arriverons. Avec l'assistance du Saint-Esprit, je désire. Seigneur, merci pour cette introduction, cette préface. Nous comptons sur toi et nous reconnaissons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, le Saint-Esprit. Nous sommes enthousiastes et nous sommes excités parce que nous voulons aller en eau profonde. Tu nous appelles à manifester l'héritage que tu nous as acquis. Ne laisse pas le sang de Jésus avoir coulé en vain, non. Le sang de Jésus a coulé pour que nous manifestions la vie que tu as prévu que nous manifestions. Enseigne-nous. Aide-nous, instruis-nous dimanche après dimanche dans cette nouvelle orientation. Bombarde-nous, impacte-nous, fais ce que tu veux. Mais il faut que ces chefs-d'œuvre de Dieu resplendissent afin que la réputation de Dieu soit sauve et que la crédibilité de Christ soit renforcée. Je déclare et je décrète qu'à travers nos vies, la crédibilité de Christ sera tangible, sera constatée, sera manifestée à travers les vases que nous sommes. Ta réputation sera sauve et ceux qui avaient dit que tu n'existais pas seront forcés de reconnaître, comme ils l'ont reconnu au temps du prophète Élie, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le seul Seigneur, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ils seront forcés dans cette génération, dans les générations à venir, de reconnaître qu'en choisissant Jésus le Christ, nous avons fait le bon choix.
Des témoignages sortiront de nos vies alors que nous recevrons ta parole et que nous la mettrons en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, je le déclare, je le décrète. Le meilleur est à venir et il se manifestera au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Amasaya. Oui, acclame de manière prophétique. Je vois des parachutages divins. Je vois des témoignages de distinction. Je vois des percées. Je vois des chemins s'ouvrir là où on avait dit il n'y a pas de chemin. Je vois des accès s'ouvrir là où on avait dit il n'y a pas d'accès. Je vois des opportunités venir là où on avait dit il n'y a plus d'opportunités. Je vois des distinctions venir là où on avait dit c'est l'indifférence. Je déclare distinction divine. Percée, opportunité, accroissement de tous côtés, au nom de Jésus. Je vois une pluie se répandre sur l'église de Christ. Je déclare que les derniers seront les premiers, au nom de Jésus. Je déclare, ce n'est pas une personne, c'est une armée, c'est un peuple que Dieu lève dans la francophonie. Hier, ils ont dit, rien de bon ne sortira du monde francophone. Je vois des francophones impacter les extrémités de la terre. Dans le nom, dans le nom. Parce que nous comprendrons les lois, nous respecterons les lois et nous opérerons de manière surnaturelle dans un monde naturel. À celui qui a commencé cette œuvre et qui la rendra parfaite, soit louange, honneur et gloire, maintenant et dans toutes les générations, dans le nom! Alléluia! Au nom de Jésus. Franchement, j'ai fini avant 13h30 aujourd'hui. Là, c'est un miracle. Vous pouvez acclamer le Seigneur parce que là, c'est un miracle. Nous vous disons au revoir à notre famille Impact Centre Chrétien sur Internet. Nous disons au revoir à Paris Nord. Et nous nous disposons pour la table du Seigneur, pour la Sainte-Seine. Là encore, c'est une loi. C'est une ordonnance, c'est une loi. La parole est remplie de loi. Seigneur, instruis-nous, enseigne-nous. Enseigne-nous. Il y a tellement à dire là-dessus. Enseigne-nous. Emmène-nous chaque semaine en eau profonde. Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est une nouvelle saison. Avec la saison de l'ordre divin, nous rentrons dans la saison des lois du royaume. C'est une nouvelle saison. Ce n'est pas juste une nouvelle série, c'est une nouvelle saison. Nous rentrons dans la saison des lois.